Trouver son style quand on est un mec est une p*** de galère. Tu sais pas ce qui va bien t'aller, tu sais pas non plus par quoi commencer. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner une méthode simple et précise pour trouver ton propre style vestimentaire. En commençant par la première étape. Numéro 1, télécharge Pinterest. Et non, il n'y a pas que ta mamie qui utilise Pinterest pour ses recettes. C'est une appli très puissante qui est totalement sous-estimée par les mecs. Ça fonctionne un peu comme Insta. En gros, t'auras plein de photos qui s'afficheront sur la plateforme. Et ça te permettra de trouver des exemples de style vestimentaire. Donc ce que tu vas faire, c'est aller dans l'onglet recherche et taper style homme. Puis ensuite, tu vas regarder les photos et cliquer sur celles que tu aimes. Appuie sur enregistrer, mets-les dans un dossier. Puis ensuite, laisse-toi guider par l'algorithme, il va te recommander des photos en fonction de ce que tu as liké. Fais ça pendant une demi-heure, tu finiras avec un dossier plein de différents exemples de tenues que tu pourrais porter. Mais Samy, il y a des vêtements que j'aime bien, mais je me vois pas les porter, ça ferait bizarre. Eh, écoute, on s'en fout, dans cette phase, te prends pas la tête. Prends juste les styles qui t'intéressent, on gérera le reste plus tard. Numéro 2, prends en compte ton physique. Prenons par exemple un style de sportif avec des vêtements très serrés. Supposons qu'on me le mette à moi, qu'est-ce que ça va faire? Je vais être extrêmement bégé. Maintenant, prenons le même t-shirt serré et mets-le sur un mec qui pèse 30 kg de plus que moi. Qu'est-ce que ça va donner? Il va être dégueulasse. Ici, mon but n'est pas de tailler les gros parce qu'ils ont déjà une vie assez difficile. Non, là, je veux te montrer que le style vestimentaire doit être en concordance avec ton apparence physique. Ton objectif doit être double. Mettre en avant tes points forts et masquer le plus possible tes points faibles. Pour reprendre mon exemple, mon point fort, c'est que je suis un mec plutôt musclé qui va à la salle et qui est assez sec, donc prendre des vêtements qui serrent et qui fit vont me mettre tout ça en valeur. Mais dans l'autre sens, si t'es gras, et bah là, tu vas éviter tous les vêtements skinny, genre les jeans qui collent au corps, parce que ça te fera paraître encore plus gros que tu ne l'es. Mais il n'y a pas que la taille du vêtement qui compte. Il y a aussi le style. Si par exemple, toi, t'as une tête d'un gamin de 15 ans prépubère, tu vas pas t'habiller en style chic. T'auras l'air d'avoir un balai dans le cul au lycée. À la place, privilégie le style streetwear ou simple qui est plus adapté à ton âge. Tu l'auras compris, adapte ton style en fonction de ton corps. Et c'est d'ailleurs aussi le moment de faire un petit tri dans ton Pinterest. Basé sur ce que je t'ai dit, supprime toutes les tenues qui ne t'iraient pas ou que tu ne te verrais pas porter dehors. Numéro 3, optimise le shopping. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. T'es sorti pour aller faire du shopping, tu as passé toute l'après-midi, tout ça pour rentrer avec absolument rien que t'as acheté. Quelle perte de temps, putain. Parce que si t'es comme moi et que tu veux faire de l'argent, t'as pas de temps à perdre à passer des après-midi, des journées entières à faire du shopping. Et d'ailleurs, si tu te demandes comment gagner de l'argent si tu es un jeune homme, je t'ai fait une vidéo dans laquelle je te donne 10 techniques pour y arriver. Tu peux aller la voir en cliquant en haut à droite. Comment faire pour optimiser son shopping? Ton objectif doit être d'y passer le moins de temps possible. Donc pour cela, avant de partir, liste la liste des vêtements que tu veux acheter. Dresse aussi celle des différents magasins dans lesquels tu vas aller. Mais Samy, si je veux vraiment gagner du temps, pourquoi se commanderais pas sur internet, c'est plus rapide? Le problème, c'est que j'ai essayé et c'est relativement casse-couille. Si tu te trompes de taille, quand tu as reçu le produit, bah tu dois le renvoyer, refaire un colis, puis le reprendre. En fait, au final, ça prend encore plus de temps que si tu allais en magasin. Donc aller en magasin, c'est quasi obligatoire. Pour les conseils de quel magasin privilégier, moi, je t'en conseille 3. Ce sont Zara, Celio et Uniqlo. Donc principalement efficace pour tout ce qui est les basiques, t-shirts, jeans, pulls, etc. Sinon, pour les pièces un peu plus avancées, ça va vraiment dépendre de ton style. D'ailleurs, en parlant de style. Numéro 4, comment démarrer? Alors là, je vais donner des exemples de styles très connus desquels tu peux t'inspirer dès maintenant. Numéro 1, le style casual. Simple et efficace, qui ira à la majorité des gens. Il est composé de pièces basiques, jeans, t-shirts et baskets. Si tu adoptes ce style, évite à tout prix les logos dégueulasses. Numéro 2, le style chic. On a tous vu un mec qui s'habillait comme ça au lycée. Je te le déconseille si t'as moins de 25 ans, ça fait coincer du cul. Mais si t'es plus âgé, ça va te donner un aspect élégant et inspirer le respect. Numéro 3, le style casual chic. Mon style préféré. Combine des vêtements élégants, chemise, veste de costume, avec des vêtements moins habillés, comme des baskets, des jeans ou même des débardeurs, te donnant un style classe et décontracté. Numéro 4, le style streetwear. La vraie que de la fumée, C'est le style que portent la plupart des footballeurs. Ça fait jeune, sans faire trop citer, tout ce qu'on aime. Numéro 5, le style rock. Tu te rappelles des mecs qui portaient des vestes en cuir et faisaient les rebelles au lycée? Ces mecs adoptaient un style rock. Alors c'est super ici si ton but c'est de te faire remarquer et que tu veux défier la société. Numéro 6, le style sportif. T'es stock, tu aimes aller à la salle, alors ce style est fait pour toi. Il est composé de vêtements serrés qui mettront en avant ton physique, surtout si tu t'entraînes pour l'esthétique. Et enfin, il est aussi très agréable à porter. Numéro 6, le style cité. Ouais, la cité. Ici, les maillots Yamaha et les survêtements du Barça sont à privilégier.
alors tu sortiras pas avec des Margot Robbie habillées comme ça, mais bon, c'est recommandé si tu veux te lancer dans le rap ou vendre de la beuh. Et voilà, avec tous les styles que je t'ai donnés, tu devras en trouver un qui te convient le mieux. Mais Samy, t'as oublié de parler du style workwear, et aussi le style dandy, sans oublier le style. Je sais, écoute, j'ai pas évoqué tous les styles, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup trop. Je voulais vraiment ici te donner une base de laquelle tu peux t'inspirer. D'ailleurs, comme t'es resté jusqu'ici dans la vidéo, je vais te donner mon secret pour réussir à être beau gosse. Peu importe ton style, et sans avoir à dépenser de l'argent dans des habits de marque. Numéro 5. Démarre la musculation. Comprends que dans le style vestimentaire, un vêtement qui va bien t'aller va valoir beaucoup mieux qu'un vêtement de marque qui te va très mal. Pour te montrer l'exemple, prends un mec obèse en costard, un costard à, je sais pas, 1000 euros, et compare-le à moi avec mon t-shirt Célio à 25 euros. Dis-moi lequel des deux va être plus léger. La question se pose même pas. Donc voilà, c'est très simple. Construis-toi un physique musclé. En plus, ça coûte pas cher. T'as juste besoin d'un abonnement à la salle. Ça coûte quoi? 30 euros par mois. C'est beaucoup moins cher que de claquer des milliers d'euros dans du Lacoste ou du Gucci. Et d'ailleurs, si tu souhaites t'entraîner pour avoir un physique esthétique et que t'as pas d'idée de programme à faire, tu peux choper le mien gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Et d'ailleurs, si en plus d'améliorer ton style vestimentaire, tu veux devenir plus attirant, dans ce cas, va voir cette vidéo dès maintenant qui te montrera comment t'améliorer pour devenir un homme bon dans tous les domaines et devenir super sexy.